Grâce à toute l'équipe de la Fondation et de la Maison Jean Lapointe, on comprend que la prévention fonctionne. Prochainement, il semblerait que le cannabis sera légalisé. Afin de discuter de la position de l'institution, je reçois avec bonheur Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, volet prévention. Bonjour, Madame Lapointe. Bonjour. Je vous disais hors d'onde comment j'avais un plaisir de vous recevoir parce que votre famille s'implique dans la vie. Vous ne faites pas juste qu'exister. Vous semez, vous aidez votre prochain. Absolument. Avec votre frère, votre père. Alors, le projet de loi légalisant le cannabis, vous l'avez reçu comment comme fondation, comme maison qui aide justement les gens qui ont des défis avec ça, avec la drogue, le jeu et tout? En fait, je crois que quand le premier ministre Trudeau a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là, c'était déjà une promesse électorale avant qu'il se fasse élire. Donc, c'était quelque chose qu'on savait qui s'en venait. De toute façon, ça faisait déjà plusieurs années qu'on en entendait parler. Okay. Même à l'époque où mon père était sénateur, on en avait déjà discuté. Donc, pour nous, on est arrivé devant cette réalité-là et on s'est dit, on n'a pas voulu se positionner pour ou contre. Nous, c'est plus, OK, ça va se faire, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et nous, comme on fait la prévention depuis 10 ans dans les écoles, on s'est dit, il va falloir y aller encore plus dans les écoles, voir un plus grand nombre de jeunes pour les éduquer face à la consommation de cannabis. Parce que là, on va passer d'une substance illicite à une substance, donc, légale et donc un danger de banalisation pour les jeunes. Ouais. Donc, pour nous, ça va être très important de donner la bonne information aux jeunes. Puis de là, vous souhaitez aussi qu'il y ait un fonds de l'argent qu'on va soutirer, justement, de la vente, qui soit utilisé à bon escient pour la prévention. Oui. En fait, ce qu'on voit, c'est que les lois sont souvent... sont pas rattachés nécessairement à du financement récurrent en prévention. La prévention, on n'y pense pas souvent. On y pense souvent trop tard. Oui. On met beaucoup d'argent dans le curatif, peu en prévention. Nous, notre message, c'est est-ce que ce projet de loi-là peut être attaché à de la prévention obligatoire et avec le financement qui va découler, en fait, Donc, idéalement, il y aurait un engagement légal des gouvernements qui part dans une disposition de la loi, même peut-être, qui ferait en sorte d'obliger le gouvernement à financer des programmes de prévention comme les vôtres, entre autres. Oui, absolument, parce que quand les individus changent, les politiciens, nous, ce qu'on veut pas, c'est que les projets partent avec. Nous, on veut que ça reste. Alors, c'est notre moyen. Est-ce que vous avez été entendu déjà? Est-ce que vous pensez que ça fait écho, cette position-là? Oui, absolument. Déjà? Donc, quand on a fait notre sortie publique en avril dernier, quelques jours après, on était déjà assis dans le cabinet de la ministre Charlebois. Alors, on sait qu'on est entendu. Je sais que la plupart ont les mêmes préoccupations que nous. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'on va pouvoir tout le monde travailler ensemble pour y arriver. Oui, c'est ça, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît le domaine, l'importance de la prévention, c'est vous comme directrice. Absolument. Et votre équipe aussi. Oui. Vous avez décidé de justement focaliser beaucoup sur la prévention depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet éveil-là vers la prévention et pas juste le curatif, comme vous disiez? Cette année, ça va faire 35 ans que la maison et la fondation existent. Donc, 35 ans qu'on traite des gens, des adultes. Que vous changez des vies. Et qu'on change des vies. Et que ces gens-là changent leur vie, c'est un travail absolument, de... Absolument, hein, absolument. Vous, hein? Mais en même temps, je crois que mon père a eu, à un moment donné, une inquiétude et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de juste les traiter? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant? La prévention, on en parlait peu. Et en 2004... C'est là qu'a vu le jour nos premiers programmes de prévention et de sensibilisation. Et pour mon père, qui fait toujours à la blague, la blague suivante, c'est-à-dire, moi, je rêve un jour de fermer la maison. Ouais. Donc, en voulant dire que la prévention va être tellement efficace. Parce qu'on n'aura plus besoin. Exactement. Donc, c'est le but pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire de la prévention auprès des adolescents. Et déjà, vous voyez donc 3 millions de dollars investis, 342 000 jeunes dans les écoles secondaires qui ont été visitées. Vous voyez statistiquement un impact aussi à votre propension à répandre la bonne nouvelle de la prévention dans les écoles? Oui, parce que le programme, on a un programme vraiment uniquement pour les jeunes de première secondaire. Ouais. Parce que la transition entre le primaire et le secondaire, c'est une étape charnière dans la vie des adolescents. Et ce programme-là est provincial. On rencontre près de 60 000 jeunes qui entrent au secondaire à chaque année. Il en rentre 75 000 par année. Ça veut dire qu'on envoie à peu près 85 %, ce qui est énorme. Et ce programme-là est en place depuis 9 ans, en fait.
plus spécifiquement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en 2008 et en 2014, les problèmes de toxicomanie, d'alcool et de toxicomanie chez nos jeunes est passé de 12 à 10 %. C'est une preuve que c'est pas juste nous. Il y en a beaucoup d'autres organismes qui travaillent en prévention. Mais c'est sûr qu'on n'a pas pu nuire. Et donc, l'idée, surtout en attachant un financement, c'est de pouvoir continuer aux autres niveaux du secondaire. On le fait également, mais on n'a pas encore les sous pour pouvoir déployer de la même façon à travers le Québec. Donc, le langage, j'imagine, utilisé pour les secondaires 2 à secondaire 5 est différent? Absolument, la réalité est différente. Exact. En secondaire 1, la majorité des jeunes n'auront pas encore consommé. Ça se passe beaucoup secondaire 2, secondaire 3. Et donc, avec ces jeunes-là, il faut y aller un peu plus dans des faits vécus et dans des situations qui pourraient vraiment survenir au niveau d'occasion de consommer. Comment c'est reçu par ces jeunes-là, votre visite, le fait de jaser tout ça avec des adultes? C'est incroyable. Nous, on ne le savait pas quand on a commencé, mais on est accueillis presque comme des rock stars. Okay. Les jeunes nous attendent, ils ont hâte. On est là une fois. Ils ne nous connaissent pas, on ne les juge pas. Donc, eux autres, ils ont la main levée dès qu'on arrive et ils se confient beaucoup et ont l'occasion de poser toutes les questions sans risque de se faire chicaner. Ouais. Et donc, à ce moment-là, notre passage, évidemment, est grandement apprécié. Et je crois qu'on leur donne les outils nécessaires pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Oui, exactement. Après ça, il en tient qu'à eux de... Oui, et aux parents également. Oui, c'est ça. Il nous reste deux petites minutes. Oui. Pour moi, c'est important parce que je suis une jeune maman. Vous faites aussi un programme pour poursuivre le travail de la prévention à la maison. Il n'y a pas juste l'école, il y a aussi les parents qui ont un travail à faire là-dedans. Oh, tellement. En une minute trente, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Comment ils ressortent de ce programme-là mieux outillés pour aider leurs enfants? Oui, en fait, les parents, on voit, c'est quand même des gens qui ont un rôle très important à jouer dans la vie de leurs adolescents. Ouais. Et je pense que déjà, ils ignorent à quel point ils sont importants. Les jeunes valorisent beaucoup l'opinion de leurs parents. Des fois, on ne pense pas. Et parfois, on n'ose pas ouvrir le dialogue au niveau de la consommation parce qu'on se dit, à l'école, ils vont s'en occuper, ils vont en parler avec les amis, etc. Mais non, c'est le rôle des parents. Puis on peut voir ça sur Internet aussi, mais ce qu'on lit sur Internet et la réalité, des fois, il y a c'est pas pareil. Un fleuve. On préfère que ce soit les parents qui discutent avec les jeunes. Donc, c'est une formation en ligne. Le parent peut le suivre à la maison, donc c'est facile. Ouais. Et on va lui donner des trucs pour aborder la discussion. Et c'est, en fait, beaucoup des outils de base au niveau de la communication, des outils au niveau d'une relation qui est saine, au niveau de la discipline, des règles à la maison. Et donc, à ce moment-là, on va aller démystifier beaucoup toute cette relation-là. Et qu'est-ce que ça veut dire de résoudre des problèmes familiaux? Qu'est-ce que ça veut dire une communication saine? Et toujours accompagné de capsules où on accompagne une famille avec un jeune qui va être confronté à des situations de consommation. Donc, ce qu'on peut dire, c'est de ne pas se gêner, d'ouvrir le dialogue, d'essayer de ne pas juger, de ne pas faire la morale. Et à ce moment-là, si on est pour être très réactif, si on ouvre le sujet, c'est de se préparer avant, parce que ce que le jeune ne veut pas, évidemment, c'est se faire rejeter dans ce qu'il vit. Puis d'aimer, peu importe. Hein? Aimer notre enfant, peu importe la morale de l'histoire, je pense. Il nous reste 10 petites secondes. Oui. J'ai remarqué sur votre site web qu'il y a une auto-évaluation. Oui. Donc, si les adultes qui nous regardent, les ados qui nous regardent pensent qu'ils ont peut-être un défi ou pas, je les invite à aller voir l'auto-évaluation puis peut-être à poser un regard différent sur leur propre situation. Et ça commence là. Exactement. Oui. Ça a été un honneur de vous recevoir. Je vous aurais parlé plus amplement. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans quelques instants, l'art est à l'honneur. Restez là. We'll be right back.